Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du périple sur Mountain Blade Warband. Et on reprend sur le 50e épisode. Et oui, 50e épisode du périple. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à suivre ce petit périple, cette petite aventure suivie. Et sur ce, vous êtes toujours aussi nombreux. Et on va continuer notre petit train-train quotidien, c'est-à-dire siège, combat, bordel en tout genre. Et c'est parti, mon kiki, pour le siège de Wersheg. Oui, bah, sans aucune forme de... Voilà. On y va. 6 heures de préparation pour le siège. Gravette, Nakunbin. J'ai cru voir un seigneur qui arrivait sur ma gueule. On va quand même prendre Wersheg juste pour les faire chier, non? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas eu le temps. Attendez, on va quand même voir avec ça. Est-ce qu'ils veulent... Ah! Ouais, bien sûr. Bien sûr, il n'y a aucun souci. J'ai le château sans même avoir à le combattre. Ouais, big de combat, ouais. Recrute noble. Bien, on n'a pas la taverne. Elle n'empêche, cette ville a vu un nombre assez important de seigneurs en si peu de temps. A chaque fois, c'est moi qui alterne avec un nordique, j'ai l'impression. Allez hop, je prends toujours plein de pécor avec moi. Ouais, c'est bien ça. Allez. Ah, il y a le roi qui arrive. Crépuscule, bientôt c'est la nuit, je vais attaquer. Ah! Zut. Zut de zut, sa vitesse est de combien? De 1-9. Dans les bois, j'ai 2-1, donc ça passe. Bon, on esquive le roi, hein, écoutez. Attention, le roi, il peut très bien faire sa popote tout seul. Ouais, moi qu'à sauce, hein. Prochain handicap qui passe, si je me le prends. Celui-ci, par exemple. Ça passe? Ça passera, 3-2, 3-6, allez! Allez, en plus, t'as des Vegir sur toi! Non! Il y a la paix avec les Vegir et les Nordiques! Non! Oui, c'est la matrice aussi, mais vous êtes chiant en fait! Je veux mon petit royaume! Ils veulent pas! Bref, on vous explose et c'est tout! Voilà! Passe là-bas! Là-bas, il serait temps que je change les musiques d'ailleurs au passage du mode parce que elles sont sympas, mais j'aimerais un peu changer quand même de temps en temps. Celles-ci sont pas mal aussi, je dis pas. Hein. Où est-ce qu'ils sont là, les pleutres? Hein? Où est-ce qu'ils sont? Ah, là-bas. On va placer nos hommes. C'est parti. J'imagine qu'ils vont prendre la colline. Donc, tous mes archers là. Fantassin un peu en devant. Et on va mettre nos cavaliers. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas tellement le choix. Bon, mes cavaliers, attendez. Mes cavaliers, on va les mettre à ma droite. Hop. Même plutôt là-bas en fait. Ils vont les prendre à revers par derrière comme il faut. Voilà, tir d'archer. Dès qu'ils sont prêts, je lance la charge. Ok, les cavaliers, vous êtes prêts, vous pouvez charger. Les archers, vous continuez à défendre. Et c'est parti, mon kiki! J'aurais peut-être dû envoyer mes hommes sur le côté, enfin bon, c'est pas très grave. Tant que ça marche. Faut que je fasse attention, mon cheval. Je sais pas s'il est blessé, mon cheval. Faut que je fasse attention à ça. Voilà, maintenant sur le flanc droit. Sur le flanc droit, ils s'en vont tous. Parfait. Leur morale n'est plus. Des barberous, c'est des nordiques, normal. Voilà, nickel. Et toi, tu meurs. Vous. Voilà. Toi, tu meurs aussi.
sympa l'épée, sympa, sympa. Et apparemment ça passe très très bien, je n'ai rien à dire. 3 morts, 2 blessés, au vu des prisonniers que je vais me faire, à mon avis, ce combat est tout à fait rentable. Allez, meurs! Possible. Ah, et finalement, les mercenaires, c'est vraiment le truc qu'on doit faire au début du jeu hein, dans ce mode. Hein. Pas forcément au jeu Navia, mais dans ce mode, c'est vraiment indispensable. Bien. Si, en déroute, il a fui, dommage. Dommage, dommage. Bon, petit à petit, on se refait, hein, normal. Je préfère des nordiques champions ou... Hop, comme ça. Et on récupère le stuff. Ouh. Non. De toute façon, j'ai plus de place. Je n'ai plus de place. On va virer les trucs qui sont un peu trop lourds. Et pas forcément très rentables. Voilà. Nizar est passé niveau 14. Alors lui, c'est mon médecin, donc c'est une très bonne nouvelle. Tu vas augmenter tes points. Je peux pas augmenter mes points en chirurgie. Hein. On va tout de même essayer. Non, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'à chaque fois, quand je rajoute un point, il y a un plus d'un point en chirurgie. Donc ça ne sert absolument rien de ce côté-ci. On va augmenter l'ingénierie, écoutez. Hop. Mercenaire, scout. Hop. Ouais, c'est vraiment le bordel. Je sais pas combien j'ai d'archers de fantassins de cavaliers. C'est vraiment au feeling. Bon, ils vont prendre Wersheg. Ah, mais c'est chiant de jouer au chat et la souris comme ça. Alors, je pourrais tenter d'aller complètement ailleurs. Vous savez, prendre Tulbuk et vaincre le château. Bon, on va tenter vaincre le château. Non, Tulbuk, on est plus proche. Tulbuk, ça m'évitera de faire un aller-retour à la con. Allons à Tulbuk. Mais avant, on va à la Cura. On va faire un peu de commerce. Ah. Ah merde, les Clan Kargit, oui, bien sûr, bien sûr. Il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui ait des relations. Ensuite. À Sargoth, sinon ça ne marchera pas. J'ai oublié que les Kargit étaient à tir. Zut. Ça m'apprendra, tiens. Bon, en attendant, on va prendre le fer. Hein. On se fait plaisir ici. Ah, il n'y a pas beaucoup de fer. Bon. Je vais pas tout prendre parce que je sais que j'ai une forge ici. Hop. Puis on va aller à Kudan. Ouais, t'appuies mon village. Si tu veux. Si tu veux massacrer ton peuple, bah, ça ne regarde que toi. Ouais, ouais, c'est ça. Kudan. Alien, voyageur, mercenary scout. Voilà, un petit commerce sympatoche, mais sans plus. Alors. Est-ce que j'ai quelqu'un? Il y a le cas là. Non, ça ne marchera pas. Base dure. Ah oui, en fait, Deschavi, tu vas... C'est parti, tu vas essayer de me faire gagner un peu plus de droits araignées, j'en ai un peu besoin. Ensuite. Ouais, Tulga, non, ça ne marchera pas. Nizar. Suno, non, putain, c'est toujours les Kirkit. Kleti. Kudan, Veigir, non. Bundok, non. Et au final... Où est-ce qu'il est, Fiorentis? Il est disparu. Ah, il est là. Il y a quelque chose. Ah, non. Je n'ai pas de personne capable d'aller chez les Nordiques pour espionner un peu les rangs. Dommage. Dommage, dommage. Bon, écoutez, on va jouer comme ça. Les Nordiques sont en guerre contre qui?
contre personne mis à part moi. Bon, on va voir Tulbuk. Hein. Sauf si je pique leur château à chaque fois, ils vont plus. Les seigneurs vont plus être copains, je veux dire. En plus, il y a des seigneurs qui se barrent en dehors de Calradia, c'est un truc de fou. Il y a des seigneurs qui se perdent en fait. Du coup, le jeu est. Oh, putain. Vous me direz, si je capture le château, c'est autant de garnisons récupérées. Hein. C'est intéressant. C'est très très intéressant. Très dangereux, intéressant. Ah, ça peut être une bonne, ça peut être une très très belle opération. Comme ça, je mettrais 221 pécores dans le château. Je pourrais me refaire avec les mercenaires, attaquer. Ah, ouais. Ouais, ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant. J'ai combien sur moi? Ouais, ouais, ouais. C'est dangereux, mais on peut tenter. Quoi, sera une tour de siège, c'est parti. 60 heures. M'en fous. Tout ce que j'espère, c'est qu'aucun nordique ne va arriver sans ma gueule. Espérons, hein. Espérons, espérons. Oui, du pognon. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, je ferai pareil avec vaincre le château et j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de types là-bas. Rodok a rejoint le royaume du Nord, fait chier. Après la fuite. Your money or your life. Hein? Vous êtes combien, une bête hein? Ouais, si tu veux, j'ai vraiment pas envie de me battre avec des bandits pour l'instant. Mais c'est combien si. Ouais, quoique. Quoique, ça nous fera du pécor supplémentaire. Espérons que ça passe, hein. D'abord. On va les jouer comme ça. Cavalier. Un peu devant. Archer ici. Fantassin, juste devant. Piqué, juste devant. Dès que les cavaliers sont prêts, on lance la charge. Hop, c'est parti. Prenez de la vitesse maintenant. Voilà, parfait. Juste au bon timing. Voilà, moi j'ai quelques kills. Faut que tu fasses attention, principalement. Copain. Bon, ça devrait passer en théorie. Hein. Voilà, on démonte les cavaliers. Faire attention, hein, les Kharghit. Hein. En combat en pleine, ils sont très dangereux. Même si c'est que des bandits, ils fonctionnent dans le même principe ceux-là. Aïe, merde, j'ai... On se couchait dans mon dos, salopio. Est-ce que ça passe? Ça a l'air de passer, ça a l'air de passer. Merde, j'ai raté celui-là. Il était pas concentré. Je prends trop de dégâts. Ça a l'air de passer complètement pour l'instant. Il faut vraiment que je me mette en retrait. En retrait, s'il vous plaît, les cavaliers, est-ce que vous pouvez vous reformer? Sinon, c'est très compliqué. Les fantassins continuent à défendre les archers. Moi, je fais très attention. Hop, allez-y. Ouh. Fais gaffe à toi. Mais je l'ai raté celle-là. Pouah, 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 pouah. Rien à foutre. Ah, ça a l'air de passer, ça a l'air de passer. De plutôt bien se dégoupiller. C'est fait. Beaucoup de. Oh, ils viennent sur ma gueule. Oh, cette vitesse! La vache! Je me fais les faibles hein, pour l'instant. Vu ma vie, je ne peux pas trop risquer de me battre contre un Kharghit. Hey. Ça c'est fait. Alors il y aura toujours des Kharghit qui vont s'en aller, c'est assez inévitable. Est-ce qu'il y a tout ça? Crève.
qui... Ah bah c'est gagné, hein, c'est gagné avec 13 pertes. Ça va, ça va. On s'en est plutôt bien sorti pour ce coup-ci. Hop, hop, hop. C'est bon. Oh, allez. Chevalier mercenaire. Pas mal. Et c'est parfait. Parfait, parfait. Il y a du pécor, il y a du pécor. Papa, on comprend tout, hein. On a un siège à préparer. Voilà, voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait, les gens. Veteran Warrior, blablabla. Hop, hop, hop. Skull, Drenger. Je fais vraiment ça au pif. Hop. Allez. Et aussi, il faut que je peux mes héros. Tu m'emmerdes. Dégage. C'était un beau combat. Très beau combat. Du coup, là, j'ai un moral qui est assez bon. Blessure. Ouais, lui, il faut encore qu'il augmente le mentor. Voilà. Voilà, on commence à arriver au palier. Là où j'expliquais. J'explique. Ouais, bon. Voilà. Donc, en fait, depuis le début, j'étais en train d'augmenter la compétence mentor de ce type-là. Et je sais pas combien de points ça m'a valu, en fait, pour avoir un minimum capital pour dépasser le 0 point. Mais maintenant, je peux dépasser le 0 point et mentor. Maintenant, je suis à 2. Avec base dure, c'est très bien. Du coup, je vais commencer à avoir des entraînements automatiques toutes les nuits. C'est parfait. C'est tout ce qu'il me fallait. C'était vraiment ce que je voulais. On va commencer enfin... après avoir beaucoup souffert, enfin des entraînements et donc plus avoir une armée de paysans comme là. Mais bel et bien des mercenaires pétés. D'ailleurs, en effet, ils sont pétés. Hein. Parlez, Mbendouk. Est-ce que pour toi c'est pareil, hein? Toi, tu es aussi porté sur le premier soin. C'est pour toi. Hein. Ouais, on va péter le mentor sur les deux. Hein. Il me faut du mentor. Comme ça, les pécores, ils deviennent grands très rapidement. Bien. On continue. Sa construction pour un 13h. Allez. En plus, mon armée va se reposer. Quoi, c'est déjà fait? Non. Ouais, encore. Ouais, rends-toi, espèce de lâche. Descends de ta colline, espèce de trou du cul. Piller, piller, piller. Ah! Voyons voir. Si je perds. Enfin, si je gagne au poil de cul. Attends, ils ont combien d'armées? Attends, il faut compter. 66 plus 115, là on est dans le... on est à 100... 180... 240... On est près de 300 hommes. À vue de nez, ils ont près de 300 hommes. C'est intéressant... 300 hommes... Qu'est-ce qu'ils ont sur eux? Ouais, je suis pas convaincu quand même, hein. Je suis pas convaincu, mais en même temps, c'est tentant. Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo maintenant, faire une sauvegarde du fichier du jeu, là, actuellement. Si je gagne, bah, je vais faire le combat. Si je gagne... Bah, j'ai gagné, c'est tout, là, c'est content, j'irai buter 4 tandis à moi tout seul. Et j'irai le champ libre, peut-être pas, non, peut-être pas le champ libre pour Tulbuk, je ne sais pas. Ça me paraît vachement tendu, mine de rien, du coup. En tout cas, je pourrais me refaire, hein, c'est sûr. J'aurai des nordiques prisonniers. Ce qui fait qu'au final... Oh putain, ils ont pris plein de châteaux, là. Ah ouais, comme ça, rien à foutre, les nordiques sont pas morts, en fait. Les Sodiennes aussi reviennent pas mal. Ils reviennent, ces cons. Hein. Ils reviennent.
Enfin, c'est un bon plan. Tu le buques, pour l'instant, ça me paraît d'être un excellent plan pour. Pas pour avoir une ville, j'ai pas me battre contre les Kharguites, je veux dire, quoique. Ouais, on pourrait, hein. Ah, on pourrait, hein. Les Kharguites, quoique ils sont vachement nombreux, ils ont beaucoup de villes. Ah, c'est tentant, c'est tentant. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Alors voilà. Je fais ce que j'ai à faire, je sauvegarde et je reprends. Yeah, c'est parti, on reprend et je vais les exploser. Ça va être épique, dangereux, tout ce que vous voulez, mais enfin, on est fou. Plus, vous êtes copain avec moi, c'est un truc de fou quand même. Allez, c'est parti. Oh, 442, j'ai mal compté. Pourquoi 4? Oh le. Comment ça se fait qu'il y a 442 bonhommes? What? Attendez, quittez. Ne dis pas que le château les rejoigne. Merde. Wouah, c'est perdu là. Crépuscule. Viens ici, c'est le crépuscule, je vais te buter. Mais il se casse? Oh, il se casse! Non, allez. Suive Cernace. Ça se fait, là. Eh ben. C'est pas autant que j'espérais, mais c'est déjà une belle opération. Et ma renommée augmentera de 24 en plus. Si ça, c'est pas bien. Oh, j'aime pas cette musique! Je dis ça puis je la chante, hein, tu vois. Rien à foutre. Oulala. Là là. Cavalier chargé en fait, il rigole pas là. Wouah, ce bordel de cavalier. On va faire attention quand même. C'est qui là? Dégage! Oh, y'a des chevaliers noirs! Oh, y'a des chevaliers noirs là dans le tas! Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, je vais essayer de m'occuper de ces chevaliers noirs parce que c'est compliqué. Oh là! Y'a des bandades apparemment! Ah, foutre la vitesse! What? Ah, je me fais déboîter en fait! What? Ah bah j'ai bien fait de sauvegarder hein. Ah bah dis non. Bon. Bah voilà. Bon bah tout ceci me semble problématique hein. Ah il y a 4 bonhommes qui rejoignent le château, le combat. Et là ça marchera si je me bats contre 400 Bon je pense pas mais bon on peut tenter le coup. Tentons le coup. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'ils vont? J'ai dit de rester là! Mais allez, à l'aise, tranquille. Oh, bah, je m'étais fait dépouiller tout à l'heure. Les chevaliers noirs, ça rigole pas, hein. Énorme armée de cavalerie. Ouais, ça va être compliqué là par contre. Énormément de cavaliers là. Première chose de cavalerie, allez-y. Vous reviendrez après si vous pouvez. Mais allez, il y a des pécores, ils attaquent. Ouais, on a foot. Très bien, attends, cavalier, revenez. Qu'est-ce que ça donne au final?
Ça donne 4 pour 12. Technique à la totale, écoutez, hein, je vais faire en sorte de... que ça marche. Hein. Ouais, pas terrible en fait. C'est pas terrible vu qu'il y a 400 bonhommes en face. Merde. Ouais, c'est pas terrible. Freedom! Faites place! La 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 la! Oups! Pardon, monsieur, madame, faites attention. Ouais, c'est pas terrible tout ça, j'ai pas du tout mes cavaliers, j'ai l'impression. Wow! Cette vitesse! Bon, ceci était un fail, misérable fail. Je me rends. On va reprendre notre sauvegarde. Enfin, écoutez. On arrête là. Je vais faire cassos vite fait de ce château parce que malheureusement je ne pourrais pas le prendre, tout du moins maintenant. On va se cacher, on va aller voir la femme parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Tout simplement. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, salut à tous!